On vient de découvrir le meilleur glitch de Call of Duty MW3 Zombie. Ce glitch va vous permettre de dupliquer tout ce que vous voulez sur le jeu. Genre les cristaux, les outils d'éther, les armes spéciaux, les atouts, les schémas, absolument tout ce que vous voulez. Pour réaliser ce glitch, vous allez devoir dupliquer les items que vous avez déjà dans votre stockage. Donc ensuite, vous mettez tout ce que vous voulez dupliquer dans votre sac à dos et vous lancez la partie. À ce moment-là, dans la partie, il vous faudra absolument l'atout pierre tombale. Quand vous avez utilisé l'atout, vous n'avez plus qu'à vous suicider et à quitter la partie. Ensuite, quand vous allez retourner dans la partie, votre pierre tombale apparaîtra sur la carte. Là, vous allez tout simplement vous rendre à cette pierre tombale pour récupérer tout votre loot. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous exfiltrer pour tout sauvegarder. Quand vous aurez tout récupéré, là vous allez relancer encore une partie. Ensuite vous réachetez pierre tombale pour encore l'utiliser. Et à ce moment-là, très important, vous allez devoir vous équiper de n'importe quel accessoire dans votre sac à dos. Donc, par exemple un item que vous pouvez vendre. Et ne remplissez surtout pas votre sac à dos. Mettez juste n'importe quel item dans votre sac à dos et ensuite suicidez-vous. À ce moment-là, quand vous allez encore relancer une partie, vous allez voir que votre pierre tombale va encore réapparaître. Mais cette fois-ci, vous aurez encore tous les objets que vous avez déjà récupérés auparavant. Donc là, ça veut dire que vous aurez réussi à dupliquer tout votre stuff. Donc vous n'aurez plus qu'à les récupérer et à vous exfiltrer pour tout sauvegarder. Ensuite, si vous voulez dupliquer en illimité, ben vous avez juste à répéter la dernière étape qui est de vous suicider avec un objet dans votre sac à dos et bien entendu avec pierre tombale. Alors ce qui est bien avec ce glitch, c'est que vous allez pouvoir faire croquer tous vos potes super facilement. Pour ce faire, vous avez juste à lancer une partie avec vos potes. Juste après vous être suicidé avec pierre tombale, vous vous rendez tous à l'emplacement où vous êtes mort. Et là, vous allez donner tout le stuff qu'il y a dans votre pierre tombale à vos potes. Et ce qui est bien, c'est que vous aurez juste à quitter la partie, puis la relancer pour faire réapparaître la pierre tombale en illimité. Vous n'aurez pas besoin de vous resuicider comme vous n'aurez pas extrait vous-même les objets de la pierre tombale. Donc grâce à ce glitch, vous allez pouvoir obtenir les meilleurs items du jeu et vous allez pouvoir faire croquer tous vos potes plus tout le lobby si vous le voulez. Alors très important, pour comprendre comment fonctionne exactement le glitch, nous avons passé plusieurs dizaines d'heures. Donc si vraiment vous voulez partager le glitch à votre communauté, eh ben n'oubliez surtout pas de nous mentionner comme source.